Ah bah franchement, des vidéos d'une heure et demie, bon, ça va bien, deux secondes. D'ailleurs, okay. Pour rappel, ceux qui sont sur le live, j'ai une autre caisse de vivres. Demain, donc en fait, évidemment. Jeudi, ouais. C'est vide. Donc ce soir, en fait, je mettrai en ligne la première VOD d'Uncharted qui dure 1h05. Bon, c'est découpé à l'arrache et tout, mais... D'ailleurs, c'est même possible que les 5 premières secondes bug, vu qu'elles ont bugué sur le fait. Je sais pas si ça commence à vendre après. Je ne peux plus rien perdre. En tout cas, je vais essayer de pas me chier dans la rediff du let's play. On pourrait certainement appeler un vrai let's play, c'est tout ce qu'on compte le finir quand même. La folie. Oui. Surtout que le chemin est bien dans l'histoire, enfin, c'est vraiment. Bordel. Merci d'aller rentrer. Ok. Oh merde. Ça va passer. Ça va passer. Mon cher, pas le mec. Oh, quel endroit de merde! C'est mon copain, ça a bougé. Hein. Ouais. Oh mon sang! C'est bon, bah merde. Une mini-casquette, ça compte pour aller voir derrière ou pas? Je pense pas. Dame évanouie. C'est beau ça. C'est hyper beau mec. Oh, putain, c'est un truc de ouf. Précision sur les rochers et tout. En train de bander devant des rochers. Mais clairement. C'est magnifique. S. Du Mars. C'est pas Vismania. Sam. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais. Allez. Où est-ce que t'es? C'est tellement pas lui. Ouais, super. Ah, ben cascade. Faut que j'arrive à atteindre. J'arrive à atteindre cette montagne sinistre. Un truc qui rassure hyper c'est quoi fort. On a entendu un bruit là. T'en fais pas ça, je pense. Ah, d'accord, j'aurais cru des cris. Trop, ça passe jamais. Ça passe trois fois. Putain de Marseillais. Ça passe jamais! En plus, c'est tout mouillé! Ça a l'air d'être plutôt sec comparé à la mer. C'est une cascade, c'est mouillé, point. Une cascade, c'est pas forcément mouillé. Bah, y'a pas que des cascades d'eau, hein. Non, mais. Eh ben, mon gars, je te fais des cascades de paix quand tu veux. Ça, c'est pas faux, ça, c'est pas faux. Celui-là, je te l'accorde.
Il y a une cascade. Bah, je t'avais dit. Oh. Incroyable. Il y avait un truc derrière une cascade. Ouais, deux petites cascades, mais cascade quand même. C'était peut-être le chemin à emprunter. Il est où le trésor? Bah ça, nous, on sait, on sait pas encore. Il y a une fente dans la montagne. Ça me fait penser à la grotte de l'araignée dans Seigneur des Anneaux 1. Oh, c'est une grotte quoi. Ah. Oui, voilà. Bon bah dites-le. Bah je vous le dis. Alors... Oui. Vous voyez qu'on a exprès des trucs parfaits pour mon... Libre en ville. Ciao. Libre en ville. T'as couché avec ce nas. Toujours un truc derrière une cacade. Tu t'es viandé. Et en plus c'est dommage. Eh merde. Il fait un petit dodo. Ah, tellement les poignets pétés avant de se rattraper n'importe quoi. Ça fait une sacrée chute. T'escalades comme ça, sans aucun équipement, sans truc pour foutre sur tes mains. Mon gars. En même temps. Ah, il y a un feu là. Il y a une fumée. Enfin, là, j'arrive pas à voir, c'est derrière lui, mais. Là, il y a une fumée. Rive. T'as tout vu. C'est juste de la peau. Ça va le dire. Faites que ça marche! Hein? Ça? Je ne m'attendais pas. Une cascade, une chose derrière. Vite! Oh. Alors par où maintenant? Elle trouve un trésor! Merci, petit puce. Thank you. Oh, une shop en plus. Une shopping. Hey. Une shopping. C'est beau jeu ça, Plétibus. Vous voulez une shopping? Vous faites une belle taille. La nostalgie nous accapare. C'est rien dire. J'ai vérifié, deux fois. Ouais, c'est sûr. Mmh. S'il faut underground. Une cascade de bière pour la shopping. C'est bien vrai ça. Ah sympa. On prend le sable. A quarter for thieves. Je suis tombé. De mon père. Ah non c'était là. Putain. Ouais. Ça mouille, hein. Ah, l'eau, ça mouille. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Non, non, parce qu'on a vérifié pour l'autre, mais... Ouf. Ça rafraîchit. Un tout petit zizi, après. Qu'est-ce que c'est, frère? Oh. J'ai même pas pu... même pas pu taper une roulade... vite œuf comme ça, hein. Vite def. Comme dirait l'autre. Vite def... Alors, le jour où ça m'a fait très spécial, c'est le jour où j'ai entendu Madams dire vite def. Je me suis dit putain, c'est à cause d'elle en fait. Super. On sait pas qui a détenté l'autre, mais. Vite def. Genre. T'as mangé aujourd'hui? Ouais, je mangeais vite def un truc. C'était. Oh oh oh. Mon dieu.
Ça ressemble à un bout de plage. Normalement, c'est le trésor de. Enfin, il cherchait le trésor aussi. Calme le rouge ? Non. Calme le noir. Barre de noir. Ah, Malik le mort. Malik le rien. Oh. Ah, salut. T'aurais pas vu passer un type par hasard ? Bonjour. Grand, maigre et assez bête. Pour chercher un trésor de. Ouais, je vois toi, là. Je commence à vibrer. Tu vois, le mec s'est déplacé. Comme ça, sur une chaise en bois. Salut Glacio. Hey, salut Glacio. Une fois qu'il arrive, quand c'est encore du live. J'avoue. En même temps, c'est parce qu'on finit dans une heure. Quoi. Enfin, on finit tard. Prends un télescope. Ah, c'est pas vrai. Une longue vue. Une longue vue, télescope. Techniquement, longue vue, télescope. Littéralement. Longue télé, vue scope. Quoi? Vous pouvez répéter encore? Non, merde. Mais où tu veux que j'aille? Bien gentil. Bon. T'as pas poussé mémé dans les orties, tout ça. Si. Pipi. Pétard. Je suis arrivé, j'espère que vous allez pas arrêter. Ah putain, Glacio est là. Faut qu'on arrête le live. Vite. Mais zut. Où est-ce qu'il y a notre titre là-dessus? C'est pas faux. Où est-ce que tu veux que j'aille, Nate? Je comprends pas. Ok, c'est pas. C'est pas par là. C'est pour moi, c'est pas moi. Non. Je reconnais ce son. Le son de la vie. Pour moi, c'est clairement pas. Ah ouais, voilà, il y a des trucs à monter. Comment que je les ai pas vus? C'est déjà venu, ça. Pourquoi ça? Ah, c'est pas de chance, hein. Je suis déjà venu, moi, ici. Mais j'ai déjà lu ça, déjà. Bah, 3h. Ouais, après, on n'est pas fixé sur le 3h. En soit, si on est encore réveillé, on peut continuer. Attends, t'essayais de grimper là-haut? Avec ses bottes? Bienvenue Alfrost HD. Très compliqué comme pseudo ça. Alfrost. Alfrost HD. Alfrost. Bienvenue à toi. Je suis sûr que t'as pas besoin de ça. C'est un petit peu le stream de l'insomnie. J'ai récupéré le piton. Le petit piton. Tu veux un petit piton? Mais bienvenue. Toujours agréable d'accueillir de nouvelles personnes à 2h du mat. J'espère que t'as pas montré le chat encore. Le chat, le chat. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas, The Geek. J'y suis presque. Voilà. Il y a la sonnerie de GSM. Ouais. Sonnerie détente, qu'ils disent. Ouh, ça se tente, ça. J'ai pas lâché. Dommage. Live. Ouais, il va dormir. Bonne nuit. Bisous derrière. Dors bien. Repose, tout est bien.
T'aurais dû quitter plus tôt quand même, tu dois te lever tôt. Ou l'autre, je sais pas. Quoi, attends. Neuf neuf ou l'autre, je sais pas, tu parlais de montrer le chat, non? Non, non. Dark Souls, vous avez laissé tomber. Bah Dark Souls, on a fait un marathon dessus, on a jamais dit qu'on allait le finir. Mais sinon, dans le perso, Fenia me semble ne l'a pas. Non. Et moi, j'y ai rejoué un petit peu une heure par-ci par-là les jours qui suivaient, mais j'avais trop de choses à faire pour pouvoir faire des trucs dessus les jours d'après. En plus, il y avait Darin chez moi et tout, donc tout ce qui était live et tout ça, c'était vraiment sur les grosses sorties avec Fenia, donc. Donc j'ai pas avancé dedans. Ça c'est clair. Puis après je sais pas, là j'ai pas particulièrement envie d'y jouer, tu vois. Même si je le trouve très très bon. T'en dirais un smile est dégueulasse en disant. Ouais. C'est un truc, la femme qui avait le t-shirt le plus résistant au monde. C'est plutôt vrai. Et le pantalon aussi. Ouais. Parce que putain de glissade, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est clair. Je sens jamais que ça troue. C'est pas facile. Le pire, ça doit quand même être les mains, quoi. D'avoir des mains en titane, vraiment. Le coup de pompe, il est vénère quand même. Hein. Coup de pompe, le coup de pompe. Non, sa petite basket. Tu aimes le coup de pompe? Ah, le coup de pompe. Mais je suis mis sur Twitter maintenant. Quoi? Mais je suis mis sur Twitter maintenant. Depuis longtemps. Ah bon. De se dire qu'elle n'aimait pas les réseaux sociaux, c'est toi. Oui. Et il n'y a pas foutu les pieds pendant sûrement des années, je crois, mais elle est là depuis que le Twitter MGMF existe, en tout cas. Oh. Mais oui, ça fait que quelques jours qu'elle fait des trucs, par contre, je pense. En tout cas, qu'on voit ses retweets et des trucs comme ça. Vous surveillez tous les deux au même endroit. Cette plante. Cette plante, elle est bizarre. Attends. Rien à signaler ici. Et toi? Rien de mon côté. Moi, je vais voir par là. Toi, pas là-bas. Ouais, ok. Hey, c'est
une chance. Occupez-vous. Mais c'est parce que je stresse. Oui, non, mais cette fois-ci, c'était pas genre un truc là-bas qui est tombé, quoi. C'était. Non, c'est. Oui, d'accord, deux fois, non. Je prends une gorgée, je me mets sous le cul, là, mais pas. Oh, gros sac à foutre. Voilà, je suis dans mon t-shirt. Gros sac à proutre. C'est vrai que t'as un sac à proutre. Ah là là. Dis donc. Ça sent pas bon tout ça, ma bonne dame. Oh. Ah, j'ai plus de batterie, c'est fâcheux. Je vais recharger mon téléphone. 22 km. Oh. Bah, ça me permettra de rester un peu à l'écart. Ah, j'ai un fusil à pompe semi-auto donc. Oh, c'est bon ça. Oui. Tu tombes dans le vide et... Hop. Quelque chose ? Rien. Tiens, allez par là-bas. Prends ce côté. Merci. Ouais. Ils sont tous là-dessus. Bordel ! Continuez les recherches. Il est là, quelque part. Merde, j'ai perdu ! C'est marrant, chef. On se fait des 10 minutes de départ. C'est énorme. Mais en plus, je me ramène des sons un petit peu rouges, donc ils savent quand même d'où ça vient. Quoi. Ça fait du bruit. Quoi. Personne qui vient, quoi. C'est tellement peur de moi. T'es pas mieux qu'échapper. Caché. C'est bon. J'ai lancé la grenade dessus, mec. On n'est pas tout seul. Oh, on Ah.
On devrait faire de la pétanque à haut niveau. Putain. Ouais. Ouais. Oh, c'est trop vrai. Oh putain. Non. Oh la vache. Ben voilà, Nyatata. Très bien, ça. Nickel. Moi ouais, déjà avant je savais pas où j'allais, hein. Alors me demander maintenant, pff, plus avancé. Hein. Si même le perso il sait pas où il va, pas nous qu'on trouver. Hein. C'est quoi ça? C'est une sacoche. Un arbre. Oui, oui. C'est un arbre, Vic. Sachez que Jonathan Burns, enfin Burns, ancien chef et financier de notre expédition, m'a assassiné. Moi et les autres dans sa quête du trésor d'Avril. A exploité l'équipage jusqu'à la moelle. Venant d'un squelette, c'est très rigolo. Il leur promettant la gloire pour ne leur offrir que la maladie, privation et ligota à un homme à un mât, et il s'est amoureux. Et ensuite, j'ai vu ce salaud pousser notre navigateur à sa perte pour avoir osé donner son avis. Il m'a trouvé en train de boucler mes préparatifs pour entrer au pays et il m'a défié. J'ai rendu mon pistolet, je l'ai averti que je rentrais en Angleterre et j'informerai le monde entier de ses méfaits. Comme je me suis retourné, au fur il m'a tiré dans le dos avant de s'enfuir dans la jungle. J'ai riposté, mais je ne suis pas sûr d'avoir atteint ma cible. Le temps est désormais compté de sa main. Et ma main s'affaiblit. En l'absence de justice terrestre, je vous implore, priez Dieu Tout-Puissant pour que Burn paye le prix de sa trahison signée Walter Hayes, second de Suffolk, 23 mars 1808. Wow, c'est sinistre. C'est sinistre. On dirait que l'équipage de Burns a eu autant de chance que moi avec ce trésor. Vous avez le Sinistrox. Un présage de mort. Jonathan Burn, il avait de sacrés couilles. Et oui. Ah si, petit pute. Oh non. Oh. Non. Oh. Ah, 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 c'est qu'un. Oh la vache. Putain, une vache. Jeune. Ça n'a aucun sens, ça imite une chèvre s'il désormais avec, mais. Une vache. J'ai jamais entendu parler. Oh la vache, Sam. Bon, ça se fait que t'es là, toi. J'ai failli te faire sauter le crâne. Putain, une vache nice. Sam, tout va bien? Ouais, c'est un petit pépin de rien du tout. C'est cool de te revoir. On se trouve là derrière les lignes d'ennemis. Allez, viens. On a un trésor à trouver.
Je te trouve bien pressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment ça? Je te signale que notre matériel a sombré au fond de l'océan Indien. Eh ben, pourquoi on n'irait pas se servir dans l'équipement de Nadine? Puisque t'en parles, on fait face à toute une armée. On s'en est pas trop mal sorti jusque-là. Bah, on est quand même paumé au beau milieu de nulle part. Précisément là où on voulait se rendre. Sauf qu'on avait un plan pour s'en sortir. Ok. Bon, écoute-moi. Je te fais une proposition. Et si on descendait et qu'on allait voler un des bateaux de Rafe? Les bateaux peuvent attendre. Tu sais pourquoi on est venu ici? Pour pouvoir me racheter une vie. D'accord? Et pour ça, on va s'aventurer dans cette putain de jungle et retrouver Libertad. Est-ce que tu as repéré quelque part des vestiges d'une colonie de pirates? Parce que moi, j'en ai pas vu. Il est un peu tard pour exprimer. J'avoue le retrouver comme ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas au moins envisager la possibilité qu'éventuellement l'utopie secrète d'Avry n'ait pas vu le jour comme le live? Et peut-être qu'on s'est laissé emporter par cette histoire fantastique, alors qu'en fait, on devrait chercher un véritable moyen de te sauver. Non, ça va. Ça rafraîchit. Après, on a laissé ça aussi, c'est le plan. Il y a une masse araignée par centimètre, s'il le faut, jusqu'à ce que je trouve ce trésor. Alors, si toi, tu sais plus pour quelle raison tu es venu jusqu'ici, je te retiens pas, Nathan. T'es vraiment un gros fils de pute, mon gars. Attends, attends, comment ça tu me retiens pas? Qu'est-ce qui... Tu te fiches de moi? Il fait t'as une idée lui, de ce que ça m'a coûté de t'amener jusqu'ici? Et moi, tu sais ce que ça m'a coûté? Oh, on a perdu son mariage d'ailleurs. Hein? Ça m'a quand même coûté 15 non, longues années. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, ça a tout à voir avec ça. Quoi? Ils sont trouvés Shambhala. Quoi? Mais. C'est l'Eldorado. Quoi? Regarde-moi ça. C'est alors pile poil qui est basé en tu vas toujours rentrer. Ouais, ils sont en train de s'engueuler quoi. Allons voir si on trouve autre chose. Ouais, ouais, mais il est quand même. Il est un peu à fleur de peau, je sais pas. Ouais, il a envie, son petit frère quoi. Tu sens que. C'est sûr que c'est pas normal. Il se comporte comme ça. Il y a un souci. Et où? Par là, par là. N'en doute, spam des L1. Tu t'accrocheras bien sur une branche. Fous ta gueule avec ton petit. Petit con. Bon. Bon. Attends. Comment t'as fait? Grâce à la téléportation. Oui, Sam, là-haut. Allez, j'arrive. Voilà. C'est pas bien que t'arrives à BD. On voit plus qui. Ouais, je sais. En fait. Ouais, y a personne. J'ai absolument besoin de mon téléphone. Et il est en charge là-bas. Réparer-toi ne serait pas qu'on voit plus. Kiwi est devenu noir. T'es horrible en bug. Ça va, tu peux passer en dessous. Franchement, oui. Si elle tenait comme ça, tu t'en fous, tu rampes. Tout à l'heure, tu te fais traîner dans la boue, alors. Franchement, ça passe. Sam, par ici. Pourquoi le niveau, on fait tout seul? Pas par ici. Hé, Nathan. Je crois que j'ai trouvé un passage. Par là, Nathan. Oh, toute cette poussière. En fait, c'est un super exercice pour les poils des fesses. Non, parce que parfois il y a des chemins que je prends genre par logique. Et du coup, je me retrouve à faire le bon chemin. Bon, là, c'est un mauvais, mais... C'est clair, on voit que c'est un véritable travail de maçonnerie. Je veux bien, mais d'où il venait, ce maçon? Dans un équipage, il n'était pas rare de voir de bons charpentiers. De lire. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un appareil? On est arrêté des coups. Non, je te jure. Il est dans le bateau avec le reste de nos affaires. Je sais pas ce que je donnerais quand on a pas des photos. Bah t'en as un. Ah bon? Non,
je te jure, c'est pas mal. Il vient dans le bateau avec le reste de nos affaires. Le bateau il est mort, hein. C'est où? Donc il est parti. Samuel. 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 Et ben, je viens de là. Et puis, on fait. Hop. On parle. Pas de temps pour moi. Oh, ça fait du bien de pouvoir s'étirer. Ça va t'intéresser ouais, 5 minutes accroupie, quoi. Ça fait des semaines que je rentre dans regarde, la mer. Il y a une sortie là. Ah oh, non, c'est trop haut. Même en faisant la courte échelle. Trop bon, mec. Sur lequel on peut monter. Oh, tapez 1. Juste ça, tapez 1. Et pas de. C'est tout. Un truc sur lequel on peut monter. On n'a pas l'air bien de mise. Cette caisse me donne une idée. Hein. On y va. Attention! Ok, on progresse là. T'as quelque chose? Ouais, peut-être. Je crois que tu devrais venir voir ça. Oh la vache. Wow. Ça, personne ne l'a vu en passant d'un hélicoptère au-dessus. C'est ça. Qu'est-ce c'est que tu crois? Un bon hélicoptère, tout est. Enfin, une maison, oui, très large. Une sorte de zone industrielle à l'abandon. Hey, merci pour cette info, Nathan. Allez. Le shit, Sherlock. Qu'est-ce que tu vois? Tu veux juste me l'entendre dire, c'est ça? Mais oui, je veux vraiment t'entendre dire. Ouais. Libertalia. Oh Libertalia, la grande utopie des pirates, la ville perdue légendaire, découverte plus de 300 ans plus tard par l'illustre Samuel. T'as tellement pensé à One Piece, quoi. Et son idiot de jeune frère, légèrement moins charmant, qui lui collait au train depuis la nuit des temps. Tu sais, j'ai toujours su qu'on ferait quelque chose de toi. Je sais pas si tu sais, mais j'ai déjà fait ça avant. Laisse-moi profiter de l'instant. Eldorado, Shambhala et l'autre. Alors, par où on commence? On commence par descendre de là, déjà. Qu'est-ce que tu dirais de ce bâtiment là-bas? Bah, le gros, quoi. Ah, tu parles de celui avec les tours de garde? C'est ça. Justement, on devrait aller voir ce qu'elle gardait. Ouais, c'est parti. Ça devrait être trop cool, les oh, ça me laisse sans voix. Putain, c'est des rues de ouf, plutôt. C'est ça que t'appelles sans voix? Tu crois qu'il leur a fallu combien de temps pour construire tout ça? Des années, des décennies même. Comment est-ce qu'ils ont réussi à garder ça secret pendant si longtemps? Bah, à la limite, à leur époque, garder ça secret, je comprends, tu vois. C'est pas compliqué, entre guillemets. Bien. Des os de chevaux. Ils sont encore attachés. Comme s'ils avaient été abandonnés. Mais à notre époque, je sais garder pas. Ça secret, c'est plus chaud. Les gens sont peut-être partis précipitamment. Ou alors, ils ont été pas. Chambalambalam. Un truc qui tourne pas rond ici. Un truc qui tourne pas rond ici, c'est la taille de cette VOD. Oh merde! Si. Ouais, carrément. Ça tourne pas rond du tout. Bonsoir.